Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle série sur un jeu de rallye. Nous avions fait il y a pas mal de temps, V-Rally 2, V-Rally 1, V-Rally 3 aussi. Nous en restait un à finir, c'est donc le V-Rally 99 qui est sorti sur Nintendo, n'importe quoi, sur Nintendo 64. Et donc pour le coup, on va s'atteler à faire cette version. Qui est loin d'être la meilleure bien sûr, mais qui est un petit peu plus complète je crois par rapport à la version PlayStation. Alors on a plusieurs modes, dans le mode arcade, training, championship. On va faire Game Option juste avant. Là on est en rookie par exemple. Au niveau de la difficulté, je sais pas ce qu'on va prendre, on va peut-être mettre... On va se mettre en Advance. Voilà parce qu'en rookie je pense que ça va être un peu trop simple. On va regarder le niveau horizontal, engine level, on va mettre ça au... On va laisser comme ça. On va se mettre en 16/9 parce qu'on est en format 16/9, tout simplement. On va faire Exit Game Option. Nom de player, donc c'est. On a PLA, c'est nous. Je crois qu'on peut le changer d'ailleurs. Ouais, on pourra rajouter jusqu'à deux joueurs, mais bon, on va jouer tout seul. Il y a le training, le championnat et l'arcade. Alors, ce que je vous propose de faire, on va commencer cette série par le mode arcade. D'habitude, et après on fera le mode championnat. Donc, enfin les player settings, on va du coup faire un setting. Voilà, on va changer. Je sais pas si je peux changer. Ah, je suis obligé de garder le. Ok, je peux pas changer le nom. Les preferences. On va tout activer. Cockpit, mission, récepteur. Ok, on va laisser tout. On va faire sortie. Donc, bah, c'est parti. Parti, on va donc faire démarrer. On a donc les voitures, alors c'est un peu les mêmes hein, que les voitures de la PlayStation, mais il y a quelques nouveautés quand même. Par exemple, chez les Kit Car, on a la Citroën Xara qui est présente. On a la Hyundai Coupé Evo 2, et je crois que la Scia Scoda était présente. Et sinon, on a aussi les modes WRC avec la Toyota Corolla et la Ford Escort. Alors la Toyota Corolla, voilà, avec les vraies licences, hein, Castrol, tout ça. La Ford Escort qui a aussi les vraies licences, alors c'est la saison 98 ça du coup. La Mitsubishi Evo 4 qui n'est pas valable, c'est bizarre parce que c'est un peu en retard par contre là. Et la Impreza. Ce que je propose, c'est qu'on va faire donc le kit car et on va prendre. Bah écoutez, j'ai une tête de prendre une Hyundai coupée pour une fois. Soit une Hyundai coupée, soit une Citroën Xara. Parce que bon, on a déjà pris l'Almera, je crois, à l'époque. 306 on connaît, la Skoda, on pourrait la prendre aussi. Ouais, quoi que la Skoda, c'est pas mal. Allez, écoutez, cette fois-ci on va prendre, j'ai de plus en plus. On va prendre la Skoda Octavia, c'est parti. Donc, on a trois niveaux, on a niveau 2, niveau 3 et le mode expert. On va prendre le premier mode, donc la Corse, l'Espagne, l'Indonésie et le Safari. Et vous allez voir, c'est un jeu qui est toujours aussi compliqué. Niveau setup, on va laisser comme ça. Et donc, c'est parti. La Corse SSK, donc c'est ces étapes random hein, par rapport à un rallye. Et c'est parti. Et donc bienvenue sur 64 pour la première fois, enfin pour la première fois dans une série. Par contre le mode 16/9, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'avoir choisi 16/9. Je m'en rendre compte. Parce que bah, le rendu est un peu bizarre. Le mode 4 tiers était mieux. Attendez. Bah non. On va pas changer, c'est pas grave. On fera ça peut-être plus tard. Alors faut faire vraiment un gaffe, hein. C'est toujours le problème des V-Rally classiques, c'est-à-dire que. Voilà, le moins d'un touchette, on part vraiment à la faute. On a vraiment les mêmes défauts que la version PlayStation. Alors la différence avec la version PlayStation, bon, c'est évidemment que le jeu avec l'anti-aliasing est un peu plus joli, un peu moins pixelisé. Mais et le maniement aussi, que je trouve beaucoup plus propre, beaucoup plus fin en fait que la version PlayStation. La version PlayStation, je sais pas si vous vous souvenez, quand on bougeait la voiture, ça partait très vite à droite, à gauche. Là, on est un peu plus, c'est un peu plus modéré. Ce qui fait que, pour avoir déjà joué à ce jeu avant, hein, je crois que c'est la première fois que je vais lancer le jeu, je trouve beaucoup plus sympa à piloter que la version PlayStation. C'est vraiment, vraiment une vraie amélioration. Alors normalement on a plusieurs vues, voilà, vue un peu plus éloignée, vue proche,
Vu capot, ça qu'on n'avait pas aussi d'ailleurs dans la version. D'ailleurs, je vais mettre cette vue. La vue la plus éloignée parce que je trouve que c'est la plus cool. Et c'est surtout là qu'on voit que les décors sont pas finis sur les côtés, puisque regardez. Ça fait penser un petit peu à du Sega Rally sur Saturne. Donc là, on est dans le mode facile, donc pour le mo enfin, en fait, dans le mode normal, mais je veux dire. On est sur les premiers spéciales, donc c'est pas les plus difficiles. Faut faire attention de pas se planter. On a un temps, hein. On a regardé à droite, time 80 secondes. Dans limite. Et évidemment, on va manquer les musiques qu'on a sur la PlayStation, puisqu'on est sur format cartouche. On n'a pas la bande son super bien de la version PlayStation ou une autre version, on a rien du tout. En fait, on a une seule musique et je crois que c'est quand on finit la course. La touchette. Je sais même plus si on peut remettre la vue arrière. Ah, faut choisir gaffe parce qu'il y a des touches qui font aussi reset la voiture. Sa position. Bon là bien sûr c'est le circuit le plus facile, enfin la spéciale la plus facile du jeu. Vous voyez sur les côtés il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est vraiment avec cette vue qu'on s'en rend compte. Vous allez me dire qu'il t'a fait un jeu 64, pourquoi t'as pas fait Mario Kart par exemple ou même à Zero, etc. Alors oui effectivement, mais bon malheureusement pour l'instant je fais que des jeux vraiment axés sur soit le rallye, soit la Formule 1, soit le tourisme. GT. Je reste là-dessus. Mario Kart, bon, c'est. Voilà. Un peu trop connu quoi. Alors si j'ai fait Crash Team Racing, effectivement j'ai de la merde, mais je sais pas, peut-être qu'un jour on le fera, je... Voilà, c'est vraiment une histoire d'anticipation. Par contre cette vue, l'avantage c'est qu'on a vraiment le temps d'anticiper par rapport aux autres vues. Il y a vraiment d'autres vues qui sont beaucoup plus... Et voilà, finish. Et on a la musique. Ah quoi, j'aurais aimé avoir cette musique, tant pis, quitte à l'avoir en boucle, mais d'avoir... Bon, je joue. Allez, on va arriver en Espagne du coup. Start, deuxième spécial, get ready. Alors, mode arcade, ça va se finir assez vite, hein. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup. Ils sont pas en premier. Alors, oui, aussi, autre différence avec leur PlayStation, c'est que voilà, les textures sont quand même un peu plus... un peu plus joli. On a vraiment, je vais essayer de le repasser. On a, même si ça reste un peu pixelisé quand même, on a le, on a un peu plus de détails sur certaines textures, pas toutes, mais surtout sur les voitures. Ah bah c'est le circuit d'Espagne qui était génial. D'ailleurs il y avait un effet de lens flare sur la version PlayStation qu'on a plus ici. Moi j'ai l'impression que c'est pas le même moment de la journée. Hein. Je sais pas, on dirait début de soirée. Alors je me souviens ce rallye d'Espagne, enfin celui-là, là, quand j'étais gamin sur la PlayStation, ça me faisait vraiment penser aux vacances. Hein. Vraiment, je me souviens que des fois j'étais en mode de time attack en fait, c'est-à-dire qu'en gros je fais même pas de course. Mais je me baladais, j'essayais d'aller sur la plage alors qu'on peut pas. J'essayais de me balader un petit peu sur la carte parce que bah c'était... Je sais pas, il y a une ambiance quand même sur ce rallye d'Espagne qui est assez cool. Bon, faut le dire vraiment dans les conditions des années 90, hein, maintenant... on ressemble plus à grand chose, mais à l'époque c'était cool. Alors on va changer un peu de vue. Attends, avec une vue. Capot. Alors les challenges on va en avoir, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que là pour l'instant c'est facile. Ça va augmenter. Hein. Allez, un tour, on en avait combien? 3 tours à faire. Ah, la vue capot est quand même sympa, on a vraiment la sensation de vitesse. C'est un dommage qu'ils aient pas fait Verali 2 sur 64. Je pense qu'ils auraient très bien pu le faire. C'est pas la capacité de la console qui aurait bloqué, hein, loin de là. Voilà, il y a pas les musiques en moins, effectivement. Ah, pour l'instant, ça va super bien. Bon, j'ai beaucoup d'avance. Hein.
Là, on a une Xera contre nous, une Mégane et une 306. De toute façon, on changera de voiture à chaque fois que l'on changera de championnat en fait. Je pense qu'on va prendre peut-être, bah justement, on a dit tout à l'heure, on prendrait la Hyundai, on la prendra peut-être pour la deuxième partie. Et pour le troisième championnat, eh bien, on prendra la Xara. Je crois que c'est la Xara de Bugalski d'ailleurs, hein, celle que l'on voit dans le jeu. Le jeu est pas très fort, hein, vous voyez. Je limite. Oh, attendez, on va faire ça de notre. Ouais, je peux l'augmenter un peu. Je vais l'augmenter un peu. Voilà, comme ça vous avez un peu plus d'ambiance parce que c'est vrai que c'est très très faible. J'avais baissé le son à fond à un moment parce que c'était trop fort justement. Je l'ai fait dans le jeu. Mais là ça devrait être ok. Ouais, quand même, depuis le début, à part une petite erreur dans la première spéciale, j'ai quasiment fait zéro erreur. Hein. C'est vraiment beaucoup plus facile de doser. Voilà, ça manque de musique, hein, c'est vraiment ce qui me chagrine. J'ai limite envie de prendre la soundtrack en fond et appeler la jouer. En vrai, il y a moyen. Hein. Je pourrais prendre des musiques, par exemple. 5 musiques. Je fais un petit script pour pouvoir. Enfin, bon, je configure l'outil pour. J'appuie par exemple sur les touches du clavier, ça lance la musique. Mais j'aurais oublié, donc en fait, j'aurais de tourner en boucle, même dans le menu. Ah, on a mis 33 secondes à la tronche. Alors, je connais pas beaucoup de gens qui ont eu ce jeu, par contre, autant j'ai connu beaucoup de gens qui ont eu Verallien, c'est sûr. Verallidé un peu moins, même s'il a très bien marché. Mais alors, Rally 99, bon, déjà il fallait avoir une 64 à l'époque, ce qui était. Non, c'était assez courant, mine. Hein, 80. Autant il y a peu de gens qui avaient la Saturn, autant la 64 ça se vendait plutôt pas mal. Bon, comparé à la Play, je vois un peu moins, mais voilà, dans un quartier avec 10 gamins, t'avais vraiment le temps de. T'as vraiment moyen de trouver au moins 2 personnes sur 10. 4 quoi. 2, 1. Oh, le bon. J'allais dire le mauvais départ. Mais les IA aussi font un départ pourri, donc c'est pas trop gênant. Elle va changer un peu de vue. Oh les. Donc là, c'est l'Indonésie. C'est pas mon cauchemar, non, j'aime bien le circuit. J'aime bien l'Indonésie. Avant, j'aimais pas, maintenant, j'aime bien. En vrai, il suffit d'être calme hein, pour prendre les virages. Il y a des endroits où ça se rétrécit un peu. Donc il faut faire gaffe. Par contre, je trouve que Verali, même pour celui-là, hein, qui a quand même fait partie des premiers Verali, je trouve ça quand même excellent qu'ils aient autant de licences dès le début. Enfin voilà, hein, des jeux de rallye, il pouvait y en avoir des milliers à l'époque. Celui-là, il avait quand même pas mal. Après c'est Infogram, hein, donc Infogram en 99, enfin 98 parce que je pense que le jeu n'est pas forcément sorti. Spécialement 99, je pense qu'il est sorti en 98, quelque chose comme ça. C'était un gros studio donc ils avaient moyen de récupérer la licence, hein, c'était pas le problème. Bon, j'aurais peut-être dû mettre en hard quand même parce que là on y. Enfin, en normal. Ah, c'est encore quand même large. C'est pas grave, on remontera ça peut-être pour la prochaine liste de courses. Attention, c'est le boss. Alors je pourrais pas dire si les maniements des voitures changent. Je sais que les WRC sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus compliqués, ça c'est sûr. Par contre entre elles, je n'ai pas vu de différence. Je sais que dans Verallidé par exemple ça se voit vraiment la différence, mais là, là je la ressens pas trop.
Olé, attention. Et Adon Young, et voilà, on est parti à la faute encore une fois. Alors je sais plus combien de rallyes à faire, hein. Qu'il y en a 4 ou 5 ou... Je crois qu'il y en a 3, enfin il me semble qu'il y en a plus que ça. C'est pas évident qu'il y en ait autant que ça, hein, parce que je sais que par exemple, quand tout à l'heure on a regardé le... La dernière partie du Monarchal, je crois qu'il y avait que 3, 2 spéciales. Donc potentiellement, là il n'y en aura pas beaucoup. Bon sang, vous connaissez le... connaissez l'idée, hein. Championnat arcade, puis après on fera les vrais championnats. Et voilà, je m'en trouve en travers. Bon, un petit tour à faire. Là, on va changer encore la vue, on va se mettre en vue cockpit. Cockpit. Capot. Alors vous inquiétez pas, il y aura une suite à ça, enfin une suite à, après vers les 99. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais ce qui est certain, c'est que ça sera sur une autre console. On n'a pas fait, enfin qu'on n'a pas fait, on n'a jamais fait en mode série. Ça sera, et c'est un jeu qui sera peut-être le plus récent de tous les jeux qu'on a fait en rallye. Alors évidemment, ça vous laisse énormément de choix. Mais voilà, ça sera ça. Et c'est un jeu qui risque d'être assez long, très très long. Donc voilà, voilà sur quoi on partira normalement après celui-là. Ça, je voulais le faire avant pour vous le montrer parce que je me suis dit 64, on avait un peu passé à côté. Et il y avait quelques jeux de rallye, donc. Alors j'aurais pu vous montrer un autre jeu de rallye 64, hein, là, il y en a d'autres. Mais je trouve que c'était un jeu de, ce jeu de rallye, ça reste quand même un des jeux de rallye les plus aboutis. Parce que les Top Gear Rally, honnêtement, c'est vraiment pas les jeux super bien faits. Et puis en plus on a eu des bugs à l'époque, donc c'est difficile à émuler la 64, hein. Vraiment, pas de problème, avoir le rendu qui est à peu près correct comme en vrai, enfin tout ça c'est... C'est pas évident, c'est pas évident. Et on a fini. Et on a même rattrapé un concurrent qui t'a émis de 28, regardez-moi ça. Bon, faut que ça m'arrive. Allez, next stage. Je sais même pas s'il y a next stage. S'il y a encore. Okay. Stage 4, ok. Donc là, on est au Kenya. Avec du Dusty Gravel. Retour à faire. Et je pense que pour les prochaines fois, on enlèvera le mode 16/9. Changer la vue quand même pour montrer un peu. Par contre, je sais plus comment on fait pour. Pour mettre la vue, vous voyez, la vue arrière. Normalement, il y a un truc pour mettre la vue arrière, mais je sais pas ce que c'est. Non, là, ça remet, voilà ce que je disais. Si j'appuie cette touche, je reset la voiture. Il n'y a pas de vue arrière dans le. Ah, si, si. C'est le. Pardon, c'est. Oh, y'a vache. C'est pas. C'est la gâchette en fait pour mettre le. Changer la vue. Oula, allez, là, c'est un peu bosselé. Voilà, là, quand la voiture saute, et... oh, pop, regardez devant. Ah, ils se sont complètement démolis. C'était pas mal comme crash, on a vu ça en direct. Oh, j'ai réussi à traverser le checkpoint. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est aussi un jeu, mine de rien. Bon, au niveau des graphiques, j'en ai déjà parlé sur la Play 1, mais c'est pareil sur 64. C'est un jeu qui n'abuse pas en fait des effets et du coup concentre tout sur les textures, ce qui fait que le jeu est très propre en fait au niveau des environnements. Mais franchement, enfin, j'ai tellement de nostalgie qui ressort avec ce jeu, enfin, surtout avec la version PlayStation, mais c'est un peu pareil hein, vu que c'est quasiment le même jeu. L'insouciance dès quand t'es gamin et je me suis encore loupé. Voilà, donc là on va y repasser. Je vais changer de vue. On va remettre cette vue, tiens, un peu plus proche. Vous voyez ici, c'est voilà, ça c'est vraiment les pires. C'est vraiment quand on passe dans la petite rivière. Parce que la voiture, elle rebondit tellement d'un coup que c'est impossible à contrôler. Je relâche tout. Et encore une fois, je suis parti en faute. Décidément.
Et boum. Oh, ça va, j'ai réussi à contrebalancer mon. À la retomber, j'ai réussi à tourner les roues au bon moment. Disons que le jeu, même sans effet, fait bien ressentir le côté chaud en fait d'un spécial. Le côté glace, le côté gelé quand on est en Suède. Enfin, voilà, les environnements sont bien réalisés, quoi. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le clipping que l'on voit, hein, qui existe d'ailleurs, ouais, ça s'affiche au fur et à mesure. Ça s'affiche tellement de manière fluide par rapport par exemple à la PlayStation, que ça fait beaucoup penser au Need for Speed 1 et 2 sur PC. Avec le clipping au loin qui est présent en fait, mais qui est très 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 smooth. Oh là là, elle est bonne, choc. Pas mal. Bon, évidemment, pas de dégâts hein, dans ce jeu. Heureusement, hein, sinon il y aurait plus aucune voiture dès le premier tour. Allez, c'est le dernier tour. Ouais, on a 90 secondes de temps, on est tranquille. J'ai quand même fait beaucoup d'erreurs hein, sur ce tracé par contre. J'ai tellement pris la confiance que. Alors, on n'a pas encore fait le spécial de nuit. Le spécial de nuit pour moi c'est vraiment le plus compliqué. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez sur la version PlayStation. Les spéciales vraiment. On voit rien devant quoi. Donc, anticiper c'est pas. Et allez, encore un petit tour. On arrive au finish! Avec le petit saut à la fin, sympa. Alors, on va voir le. Bah, on va voir le podium du coup. Ah, je crois qu'il se passe à rien. Le podium habituel, voilà. Safari, Renault. On a fini avec 2 minutes d'avance sur tout le monde. Bon, voilà, vous avez compris, hein, c'était pas le plus difficile pour le moment. Oh là, la 306 c'est fini avec 3 minutes 36 trop tard. Et j'ai gagné quelque chose apparemment. Mais je pense que j'ai juste débloqué un mode de jeu. Voilà, donc là on a terminé. Et donc on a débloqué le niveau 2. Alors là par contre on aura plus de stages, hein. On en aura 5. Voilà, donc niveau 3 on en a 6 et expert. Donc je pense que... bon là on va s'arrêter là pour la première partie du jeu. Et la prochaine fois donc on fera le niveau 2 puis le niveau 3. Et peut-être que pour le niveau 3, on fera le mode expert avec. Peut-être. On verra. Bon, en tout cas, donc on aura la Nouvelle-Zélande, la Corse, l'Indonésie, l'Espagne et l'Angleterre. On va faire back. Voilà. On a fait 19% déjà en arcade. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve pour le... Bah, on se retrouvera pour la suite. Cette série. À la prochaine. Ciao tout le monde.